Eh bien, c'est les émissions dans le chat Fox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu qui s'appelle, bien entendu, Space Station Tycoon. Et nous allons jouer. Et vous voyez ma base. C'est beau, non? J'ai oublié de désactiver les lasers. Oh, mais rigole, c'est ça ma base. J'ai encore une base de débutant. Et j'ai pas aimé, les gars. J'ai pas du tout aimé. Donc, on y va. Hein. Et on va tout acheter à mort. Non, les Robux, non. Je suis pas là pour dépenser d'argent. Je suis là pour jouer normalement. Et là, j'achète tout. Aucun respect pour la société. On achète tout. Aucun respect pour la société. Aucun respect pour la société. Aucun respect pour la société. Maman. Bon, ok. Allez, on y va. Aucun respect. Aucun respect. Bon, les gars, on continue cette petite vidéo. Donc, on a déjà terminé. À part que les Robux, mais moi je prends pas les Robux, désolé. Je ne suis pas un fan des Robux. Et là, on a une petite mitraillette. Bon, là, un peu d'armes, voilà, pour s'équiper. Tout ça. Ah! Il y a un mec qui veut venir. Oh! Oh, tu vas voir. Oh, je vais t'avoir. Tu n'es pas un pro! Oh, je vais l'avoir. Oh là là, oh ce combat des cheats. Tu as peur de moi? T'as peur de moi ou quoi? Et voilà! Voilà, j'en ai fait une arme personnelle. Bien évidemment. Donc là, c'est quoi ça? Mais non, on a encore l'extérieur. Mais c'est pas possible. Vous n'avez rien vu? Les gars, vous n'avez rien vu? Allez, on bombarde tout. On bombarde les cheats. Oh là là. Ah oui, vous allez me demander une question. Comment j'ai gagné de l'argent du début? Eh ben, c'est simple, les gars. Je suis juste allé récolter de l'argent. Au coin de la map, vous trouvez de l'argent à récupérer et après, vous faites de la thune et vous profitez de tout. Voilà, on n'a plus d'argent. On n'a plus de monnaie. On est à court. Et quand on va rentrer, je pense combien... Combien on a de monnaie déjà? En stock, les gars. Eh ouais. C'est moi qui peux passer les lasers? Oui, c'est moi. Tout. Ouais, mais c'est pas énorme. 356. Ah bah, je pense que cette base, nous allons la terminer. C'est le tycoon le plus facile que j'ai jamais fait dans ma vie. Rocket pad. Attends, on va l'utiliser. Non. Ils ont craqué. Une fusée. Ils ont craqué. Ben, je pense qu'ils ont bien craqué. Oui, ils ont craqué. Une fusée. Quoi, mais où est la fusée? Yeah, c'est pour finir. Ouais. Pour finir. Yes, on va finir. Et voilà ce qui t'empêche de finir. Donc, je pense qu'on a déjà une des meilleures bases du serveur. Ouais, cette façon de parler, c'est pas ouf. Tout le monde le sait que c'est pas ouf. Les gars, vous avez déjà... Alors, comment dire qu'il me faut des droppers? C'est tout ce que je désire, voilà. Je vais prendre de la thune et je vais faire max dropper. Est-ce qu'on peut avoir des droppers? Un convoyeur. Ok.
Ok. Je pense que je me suis bien amusée avec ces ok. On achète un petit space dropper. Et là, le métier commence, bien évidemment. On achète tout. Voilà, comme ça, niveau thune, on aura beaucoup de thunes. Et qui dit beaucoup de thunes, dit beaucoup d'argent. Dit beaucoup de trucs. Il dit beaucoup de trucs. Bah, fin du jeu, il dit fin du jeu, victoire. Qui dit victoire, dit célébrité, dit joyeuseté, dit content. Et en fait, je vais jamais m'arrêter. Ben, on a qu'à attendre un milliard d'années, hein. On a déjà la deuxième base la plus riche du serveur. C'est cool, ça. On va récupérer un peu de thunes, là, dans les coins. Dans les coins, il y a de la thune, bien évidemment. Puis-je avoir cette thune? Faut plonger dans la thune, quoi, pour l'avoir. Faut plonger dans cette thune. Pour avoir... Non mais là, c'est 30 000 cash. Oh là 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 là. On se sert les gars, on se sert les gars. Avec cette épée, magnifique. Merde, nous rentrer 20 000 cash. Là, je veux un petit système qui me fait topper, quoi. Parce que là, nous devons nous taper un grand chemin pour retrouver des caches. Le tapage du long chemin du cache. Lui, c'est un débutant. On va le bolos. Oui, on va lui voler sa thune. On peut pas voler la thune, donc c'est un peu dommage, hein. Ils n'ont pas ajouté ce système de volage de thune, quoi. Que tu peux voler de la thune aux gens. Bah sinon ça serait trop pété. Et dans les taïkons ils vont ajouter des trucs qui s'appellent des coffres forts où il faut un code pour ouvrir et quoi. Qu'est-ce que t'aurais aimé? La vie est comme ça. T'as pas trop peur. La vie est comme ça les gars. T'as pas trop le choix. Bon donc là 20 000 cachets. Je pense que ça va nous suffire. J'allais faire le plongeon du cache et vous montez ma scène. Quoi, c'est ça ma base? Attendez, ma base. Elle est où ma base? Elle est où ma base? Quoi? Ma base. Ma base! Ma base? Ma base, elle est où? Au guérisette. Non, non, non! Non! Oh, oh, oh! Oh là 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 là, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi j'ai pas retrouvé? Une base rose ou un truc comme ça. Le mec a une peur bleue. Vous imaginez ma peur d'avoir tout perdu, quoi? Moi, je venais content et voilà ce que je trouve, ma base qui est partie, quoi. Moi, je dis qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais non. Mais non! Et parce que tous ces efforts... C'est le jackpot, quoi, donc. Donc, vous êtes prêts à... Ah non, les droppers. Oui. Faut tout miser sur les droppers, la décoration. C'est plus tard. Tout ce qui compte, ce sont les droppers. Regardez toute la thune qu'on a déjà. Là, c'est beau à regarder, quoi. Et là... Un petit upgrader et maintenant on peut faire un peu de décoration si on veut parce qu'on a terminé le dropper, c'est tout ce qui compte. Mais oui.
Regardez-moi cette base. Elle est magnifique. Oh, et l'étage 3, bien évidemment. Speedcall, merci, je sais pas à quoi ça sert. Les gravity calls, je sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà. C'est une colonie de je sais pas à quoi ça sert. Oh, mais on a déjà une base de malade. En fait, c'est le jeu des titans. Le jeu des titans. Donc, on upgrade ça. J'ai dit upgrade. Vous êtes sourd, le jeu? Ça va? Ça a été pas trop pénible, les vacances? Faire, les gars. Voilà comment je peux faire de la thune! Je pense qu'on va... Après, c'est idiot, je sais pas combien j'aurai d'argent. Mais une chose est sûre, c'est que j'en aurai beaucoup. D'accord. Combien j'ai? Là, c'est la question. Mec, déjà 300, non mais là, je pète un câble! J'ai deux fois cache, mais mec. Là, je me base sur l'extérieur. Je me base pas trop sur l'extérieur. Bon, l'extérieur, j'ai acheté la muraille, c'est tout ce qui compte. Oui, une muraille, c'est beau, quoi. Une muraille. Une muraille, c'est tout ce qui compte. Une ville, c'est tout. Je construis la muraille. Le mec dit que c'est une ville bien. Il l'a construit. Il paye de l'argent. Et là, on gagne de l'argent. Il lui trouve la ville nulle. Et on finit par troller. Et oui, les gars. On les troll. Moi, je prends pas d'armes. Moi, juste, j'achète. Je suis cinglé. J'achète. Mais j'achète beaucoup de trucs. Moi, je vois même pas comment ça s'appelle. J'achète. Le quatrième étage, bien évidemment. Donc je pense que là, je vais commencer à dépenser un peu de thunes. Oh, la thune. C'est beau, non? Bah, on a plus d'argent. Et oui, bah, c'était sûr, au bout d'un moment, on aura plus d'argent. Hein, tu vas pas avoir la monnaie infinie. Bon, ok les gars, ok. Bon, je pense que nous avons beaucoup acheté. Mais regardez, comment ça marche, on gagne 1000 à la seconde. Allez, et on attend là que ça monte. Oh. C'est beaucoup trop rapide. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était une partie 1 de ce Naruto, Tycoon. Non, mais ouais, on dirait que j'ai mangé le Naruto, quoi. En fait, j'ai des souvenirs de Naruto Tycoon et... Bon, on s'arrête là pour cette Space Combat Tycoon. Ah oui, le jeu s'appelle Space Combat Tycoon. Je vais mettre le nom du jeu dans la description si vous voulez le tester. Ok, vous n'avez qu'à télécharger Roblox et... Et tapez le nom dans les recherches et voilà. Donc, c'était Adanxalprox. Ciao, les gars.